Coucou tout le monde, donc je vous reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un site internet qui vend des bijoux pour cheveux. Donc d'ailleurs j'en porte un actuellement. Donc c'est le site Ona Paris. Je vais vous marquer leur site bien sûr en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc en fait c'est une marque spécialisée pour les bijoux de cheveux. Donc je vais vous en présenter 3 aujourd'hui. Donc vous avez celui-ci que je porte sur moi. Donc c'est une créatrice qui fait les bijoux pour cheveux. Donc elle s'appelle Sophie et donc c'est des bijoux faits main et fabriqués en France. C'est une super créatrice qui fait des magnifiques bijoux. Franchement, n'hésitez pas à aller voir sur son site. Je vous mettrai quelques photos pour que vous voyez un peu ce qu'elle fait. Mais n'hésitez pas vraiment à aller voir tout ce qu'elle fait parce que franchement c'est super joli, c'est original et tout. Et c'est super tendance pour les saisons actuelles. Allez sur son Facebook parce qu'elle répond très rapidement si vous avez des questions à lui poser. Et puis c'est bien de voir les actualités, on voit souvent les nouveautés et tout ça. Donc je vous conseille d'y aller si vous avez Facebook. Donc sur leur site vous avez, pour parler un peu de la livraison et tout ça, vous avez 2,50€ de participation pour les frais de livraison. Donc je trouve ça très très raisonnable, sachant qu'à partir de 40€, les frais de port sont offerts. Donc franchement ça vaut le coup. Et j'ai eu un petit code promo pour vous. Donc je vous mettrai le code sur la vidéo et aussi en barre d'infos. Donc c'est le code CANDICE2014 qui vous offre moins 15% pendant une semaine. Donc le code sera valable pendant une semaine à partir de la mise en ligne de cette vidéo. Jusqu'à une semaine, de toute façon tout sera marqué en barre d'infos. Donc moi j'ai reçu mes bijoux dans une lettre max comme ceci. Donc je trouve ça super parce que bah, c'est en carton, donc ça protège bien. Et bah, vous avez un numéro de suivi, donc c'est bien quand vous voulez savoir où en est votre commande. Et tous les produits étaient emballés dans du papier bulle et du papier de soie. Donc franchement les bijoux sont super bien protégés et vous risquez pas du tout d'avoir de casse. Bah, je vais commencer par celui que je porte sur la tête. Donc en fait c'est une chaîne donc argentée comme vous voyez, avec des pierres un peu rosées, bordeaux, enfin qui ont des reflets, elles sont vraiment très jolies et c'est des pierres semi-précieuses. Donc voilà, et moi j'ai décidé de faire cette coiffure aujourd'hui parce que je trouve ça c'est sympa, j'aime bien mettre mes cheveux sur le côté et je trouvais que rajouter quelque chose, en plus ça va bien avec mon haut et tout, je trouvais que franchement ça allait super bien. Je vous ferai plusieurs coiffures avec les bijoux que j'ai reçus, donc si vous voulez des coiffures spéciales, n'hésitez pas à me dire si quelle coiffure pourrait vous intéresser. Voici pour celui-ci. Donc après je vais vous parler de comment il s'attache parce que donc vous avez des petites attaches pour les attacher aux cheveux pour pas qu'ils bougent. Donc je vais vous montrer ça après de vous avoir montré les 3 bijoux. Celui-ci je l'ai reçu dans un petit pochon comme ceci, donc noir et rose, et ils sont vraiment trop trop choux. Enfin moi je les trouve trop mignons, donc c'est super sympa et chaque bijou était dans une petite pochette. Et il y avait aussi les petites attaches dans une pochette. Ensuite j'ai reçu un autre bijou dans une boîte en plastique rouge comme ceci, avec bah, le nom de la marque. Donc voici, je trouve ça super sympa si vous voulez offrir des bijoux pour des anniversaires ou d'autres occasions. Je trouve ça super sympa d'avoir des petites boîtes, ça fait très très classe et tout, ça fait très professionnel, moi j'adore. Et donc le bijou de cheveux se présente donc comme ceci. Donc en fait c'est un papillon avec des chaînettes, donc sur le papillon il y a des strass et une rose blanc nacré, et je trouve ça vraiment super beau. Donc les petites chaînettes sont en argenté et c'est vraiment super beau. Donc je vais vous montrer comment il s'accroche celui-ci. Donc
Je sais pas si vous allez voir, si vous voyez. Là, vous avez deux petites accroches, donc comme ceci. Donc, par exemple, si vous le fixez sur votre tête comme ceci, donc vous le fixez. Et en fait, je vais vous montrer après comment fixer les petits embouts. Et franchement, c'est super facile à poser. Ça prend 2 minutes, c'est vraiment super rapide. Et vous voyez, le bijou est vraiment très très joli et je trouve que ça habille tout de suite une coiffure. Même si vous faites une coiffure simple et tout, ça va la faire super jolie. Donc moi j'adore personnellement. Donc voici pour celui-ci. Et donc dedans vous avez fourni aussi les petits bouts de caoutchouc pour justement les accrocher. Donc c'est dans un petit sachet comme ceci, vous voyez, il y a les petits embouts pour pouvoir l'attacher. Et ce qui est bien, c'est que donc dans la petite boîte, vous avez une petite notice donc, qui vous explique comment accrocher les bijoux. Donc ça, je trouve ça super bien fait. Donc il vous explique comment accrocher les caoutchoucs avec le petit appareil que je vais vous montrer tout de suite. Donc je trouve ça vraiment super sympa. Et du coup, bah, c'est super bien expliqué. Et vous y arrivez super bien. Voici l'embout pour pouvoir accrocher les bijoux. Donc ça se présente dans une petite boîte blanche comme ceci avec pareil la marque comme la boîte rouge. Donc vraiment sympa. Et l'embout, il se présente comme ceci. Donc voici, donc je vais le monter pour vous montrer. Donc ça se présente comme ceci, donc c'est un petit cône. Donc là vous avez la pointe, donc je vais vous faire une petite démonstration pour que vous compreniez mieux le système. Donc ça c'est la créatrice qui l'a inventé, qui l'a créé. Donc il y a son petit, le nom de sa marque dessus. Et franchement c'est une superbe invention, donc c'est super pratique pour accrocher ces bijoux. Donc là, vous avez la petite pointe qui s'enlève. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez prendre votre sachet avec les embouts en caoutchouc. Là, j'ai pris mon petit embout en caoutchouc et je vais l'insérer tout simplement sur la pointe, donc comme ceci, et je vais le faire glisser jusqu'en bas. Donc voici. Donc vous voyez, le caoutchouc, il s'arrête sur cette partie-là, sur la deuxième partie. Donc là, vous le voyez, il est ici. Donc ça, la petite pointe, en fait, sert juste à passer le petit embout en plastique pour pouvoir attacher dans vos cheveux. Donc une fois que vous l'avez enfilé jusqu'en bas, de toute façon après vous ne pouvez pas aller plus loin vu que c'est un petit cône, donc vous l'enfilez jusque là et vous enlevez la pointe. Donc là vous allez vous retrouver avec donc, le trou, donc le gros trou et le petit trou avec l'embout au-dessus. Donc jusque là c'est simple et ça restera simple. Donc vous laissez le petit embout en caoutchouc et je vais vous montrer. Donc vous prenez une mèche de cheveux fine. Quand vous avez votre mèche de cheveux, soit vous pouvez l'humidifier un peu, mais moi sans l'humidifier ça passe très bien, donc j'en ai pas besoin. Donc vous prenez votre mèche, vous pouvez si vous voulez l'enrouler un peu pour que ça passe plus facilement. Voyez, vous la roulez. Et vous allez prendre votre cône et passer vos cheveux dans le cône. Donc là, une fois que vous avez passé, vous n'avez plus qu'à tirer. Vous remontez le cône, donc voilà. Donc après, vous le remontez jusqu'à où vous voulez le mettre. Donc par exemple, moi je veux le mettre ici, donc voilà. Et vous avez juste à
enlever le petit caoutchouc. Donc là, vous voyez, vous voyez le caoutchouc qui est ici et le cône qui est là. Donc vous avez juste à passer le cône comme ceci, donc pour l'enlever. Donc voilà, vous avez terminé. Donc vous voyez votre caoutchouc qui est là. Donc soit vous le remontez si vous trouvez que c'est pas assez haut, vous le descendez, c'est comme vous voulez. Mais vous le voyez ici. Et du coup, quand vous avez votre petit caoutchouc, et bien tout simplement, vous allez passer cette partie-là. Vous allez passer le petit picot dedans. Donc, vous voyez, c'est passé dedans. Et vous faites pareil pour l'autre côté. Donc là, après, vous aurez votre bijou de cheveux accroché. Et pour l'enlever, bah, c'est tout simple. Vous tirez dessus. Donc, vous enlevez ça. Le caoutchouc est resté. Et vous n'avez plus qu'à le faire glisser de vos cheveux. Donc voilà, c'est très très simple à poser. De toute façon, avec la petite notice, vous comprenez tout. Enfin, c'est très bien expliqué. Il y a les petits schémas dessus pour vous montrer comment l'appliquer. Donc franchement, il n'y a rien de plus simple. Donc vous voyez que ça a été super simple. Donc pareil pour moi quand je les ai attachés, franchement c'était super rapide. Après c'est à vous de voir les coiffures que vous voulez faire et tout. J'espère que j'ai été claire en tout cas pour les explications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ou aller directement les poser à Sophie la créatrice. Et pour terminer, donc le dernier bijou que j'ai reçu, franchement c'est un très... Franchement c'est un coup de cœur, il est vraiment magnifique et j'ai déjà les idées de coiffure, de comment le porter. Le dernier bijou que j'ai reçu, donc c'est une chaîne comme ceci. Donc là vous avez, je vous montre comme ça parce qu'en fait ici vous avez les petits embouts comme ceci pour passer dans le caoutchouc, donc vous en avez un de chaque côté. Donc de ce côté là vous avez deux chaînettes avec au bout des petites perles rouges avec des reflets, elles sont vraiment très très jolies. Voici. Et de l'autre côté vous avez une plus grande chaîne pareil avec des petites perles comme ceci. Quand j'ai reçu je savais très exactement quelle coiffure je voulais faire avec. Donc ça sera avec un chignon et je pensais le mettre derrière comme ceci. Donc il y aurait la chaîne qui passera en dessous le chignon et ça sur les côtés, et je trouverais ça, enfin j'espère que ça fera super beau. Donc si vous voulez cette coiffure, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Si vous voulez d'autres coiffures, n'hésitez pas aussi. Donc celui-ci c'est une chaîne dorée et il est vraiment magnifique, moi je le trouve trop trop beau. Donc voici pour ce dernier bijou. Vous voyez que les bijoux sont de très bonne qualité. Ils sont vraiment magnifiques. Donc n'hésitez pas à aller voir sur son site. En plus il y a moins 15% pendant une semaine. Donc profitez-en, ça vaut largement le coup. Voilà, ma revue sur le site Ona Paris est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Donc c'est des vidéos qui changent un peu parce que ça parle de cheveux. Moi personnellement j'adore tout ce qui est accessoires de cheveux et tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez déjà cette marque. Si vous avez envie de tester, n'hésitez pas à commander avec les moins 15% et de venir me dire en commentaire ce que vous avez commandé. Donc j'espère que cette petite revue vous aura plu. Je vous dis à bientôt avec d'autres vidéos. Bye !